us what to do. He showed us what to do. And I said, God, why is it important? I'm here with you. I know the challenge that you face, but I'm here with you. I know the pain that you feel, but I'm here with you. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut! Nous content, il dit bon Dieu merci pour grâce l'effet nous pour nous capables de retrouver nous encore une fois à la table de la parole pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous espérons jusqu'à présent un amour béni avec série de messages ça sous somme 23. Nous encourager ou partager avec 11 amis, oui partager avec une famille et la va pour les mêmes une source de grâce et de riches bénédictions. Déjà, nous souhaitons bonne audition et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À nous baisser tête, nous pouvons prier. Nous bénissons Éternel, notre Père et notre Dieu, pour grâce au fait nos matins, pour nous capables d'en présence. Merci de la nuit passée en bien et merci de cette occasion bénie d'être là, d'être prêt à recevoir ce que tu veux nous communiquer. Nous prions pour le pardon de nos péchés. En cet instant, nous élevons les mains vers ton ciel et vers ton trône pour demander ta grâce, ta paix, ta bénédiction. Je réclame encore ce matin l'onction de la prédication qui rend la parole puissante, qui rend la parole enrichissante, qui rend la parole vivante. Parle au travers de ton serviteur, au cœur de tes enfants qui ont besoin de toi. Fais-le, ô notre Dieu, fais-le. Ou c'est source nous, ou c'est force nous. Nous remettre toutes nous-mêmes dans nous, humilier-nous encore une fois devant. Il nous dit, tout ça nous y est, c'est dans où le sauti. Fais-nous grâce dans ce moment-là. Dans nos Jésus, nous prions. Qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Moi, invité au verbe bon ensemble avec moi, dans Somme 23. Somme 23. Nous t'es passé les deux derniers sabbats à enseigner sur le premier verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Matin, nous allons enseigner sous verset 2 et on partit dans verset 3 où il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » C'est sous ça que nous allons parler matin. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Seigneur, fais-nous comprendre la parole là. Dans nos Jésus, nos prières. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, le psaume 23 est un psaume de confiance. C'est un texte de réconfort. Il a aidé à sécher beaucoup de larmes, à apaiser la souffrance des âmes vieillies, à soulager l'amertume des cœurs endoloris. Il est difficile de lire ou d'entendre le texte sans se sentir rassuré. Le psaume produit un certain effet sur le lecteur. C'est un texte qu'on ressent, c'est un texte qu'on vit. McLaren écrit « Le monde peut se passer de plusieurs livres, mais pas du psaume 23. » Landbaum, pour sa part, déclare « C'est un psaume pour les parents qui survivent à la folie des enfants rebelles, pour les soldats qui reviennent de la guerre, pour quelqu'un qui sort de la prison. » Le psaume est résumé dans cette phrase. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce qu'on appelle en composition française l'énoncé de thèse que les Américains appellent « the thesis statement ». Yon énoncé de thèse, c'est yon ou deux phrases qui expliquaient la portée d'une œuvre littéraire, d'un texte, d'une dissertation. Il désigne l'idée principale qui est expliquée et défendue tout au long du texte. Au psaume 23, David parle de sa confiance en Dieu et en ses soins, telle une brebis vis-à-vis de son berger. Tout ce que David voulait dire est dit au premier verset. Il prend toutefois le temps d'expliciter sa thèse et au cas où l'on aurait des doutes sur la signification de ses propos, il explique son discours. Et la première chose qu'il dit, il me fait reposer
dans de verts pâturages. L'auteur utilise le verbe hébreu yabiseni de la racine du verbe rabat qui signifie s'étendre, se coucher ou se reposer. Dans la version du second, le texte est traduit par « il me fait reposer ». Mais la King James Version dit « he makes me to lie down in green pastures ». C'est-à-dire « il me fait coucher ». C'est la même idée qui est exprimée, se coucher pour prendre du repos. L'expression « il me fait reposer » ou « il me fait coucher » en hébreu est un nifil imparfait. En grammaire, c'est une construction causative qui décrit une action causée. Le sujet fait l'action. Le sujet est responsable de ce qui est fait. Ce n'est pas la brebis qui demande le repos, mais c'est le berger qui le lui impose. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est donc pas un repos sollicité, c'est un repos donné. Version créole l'a dit, les femmes prennent repos. Et en bon étudiant de la Bible, on pose la question, pourquoi? Pourquoi le berger impose le repos? La vie pastorale en Orient n'est pas facile. Le métier de berger n'est pas un travail de bureau, mais une occupation de champ. Les variations du temps et des saisons forcent souvent le berger à faire des ajustements topographiques. Et pour assurer la vie du troupeau, il fait déplacer les moutons, il les conduit et les fait traverser par des passerelles et des plaines, des vallons et vallées, des couloirs et des collines. Les déplacements ne sont pas toujours sans difficulté. La route est souvent longue et parfois périlleuse. Il arrive que des brebis se fracturent et meurent même en chemin suite à des accidents de la traversée. Et tout berger expérimenté ou habitué au métier pastoral, yo connaît ou pas capable de faire un troupeau traverser sur une vaste étendue sans repos. David descend d'une race de bergers et l'un des pères de sa nation, Jacob, des siècles avant, lui a répondu à Esaïe qui lui avait dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Et puis il dit, non, mon Seigneur. Il dit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. En fait, il savait que des périodes de long voyage, de marche sans arrêt, mettaient en péril la vie du troupeau. Et puis tout le connaît que le troupeau n'a pas un bon sens. Il n'y a pas qu'on est killer, it's too much. Il n'y a pas qu'on est killer, besoin de repos. Il n'y a pas qu'on est killer, obligé de Et la responsabilité du berger ne consistait pas seulement pour mener brebis dans un nouvel environnement, mais il y a une responsabilité pour le faire arriver en vie et pour arriver à cette fin, pour que les prennent de point A à point B, ils n'ont pas mouru dans la route là, pour que les fassent traverser, ils n'ont pas arrêté en chemin. There was something that was important. There was something that he had to do. He had make them rest. The implication here again is that the sheep does not have the sense to know when it's time to rest, and it will walk until it dies. So to make sure that it lives, the shepherd pushes on the brake and causes the sheep to lie down and rest. Il y a là toute une théologie. Gerhard von Rad fait remarquer que parmi les avantages de la rédemption, celui du repos est souvent presque oublié dans la théologie biblique. En ce sens, il est vrai. Cependant, le concept du repos lui remplit toute la Bible. Déjà en Genèse chapitre 2, versets 1 et 2, où on lit dans la Bible là, et puis tout dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Maintenant, il y a un légaliste
qui applique texte ça, l'a dit il faut faire attention pour ne pas violer le sabbat. L'a dit Dieu demande 24 heures et non 23 heures 59 minutes 59 secondes. Cette déclaration est biblique. Cette déclaration est vraie. Mais on va comprendre que le sabbat implique plus que cela. Le mot hébreu Shabbat signifie littéralement cesser, mettre un terme à se reposer. God did not give the Sabbath to hurt men, but God gave the Sabbath to bless men. Because God knew that men in his quest and conquest for the world, that men in an age of capitalism and greed, that men in an ever constant desire for more, ap travay sans rete, ap travay juste li tombe pip li mouri. And God says, lest you work until you die, I'm going to bless you. And the gift I'm going to give you is the gift of time, Shabbat. It is freedom from work, toil, strain, and activity. It is the Reverend Dr. Howard John Wesley who said, God models and mandates rest. God models and mandates rest. Dieu donne le modèle et le mandat du repos. En Genèse 2, Dieu donne le modèle du repos. Il s'est reposé lui-même. Et en Exode 20, Dieu donne le mandat pour le repos. Et Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et me dit mon Dieu, why would you find it necessary to both model and mandate it? And God knew something about pedagogy. God told me, understand, comprenne que c'est moi créateur. And I know something about my creation. People learn not only when you tell them what to do, but mostly when you show them what to do. And before God could tell us what to do, he showed us what to do. And I said, God, why is it important? Why it is important, Lord? And the Lord told me that rest is important because it is built into the natural rhythm of life. Rest is built into the natural rhythm of life. Rest, le repos rentré dans la création de Dieu. Il t'a semblé that almost every living and animated thing on earth needs resting, even the animals. And this is where I did not quite get it, parce que en Exode 23, verset 13, bon Dieu dit comme ça, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, watch this, il dit comme ça, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. Watch this, here, the rest had nothing to do with God's creation. God says the reason I'm telling you to rest is so that your cattle, your strangers, and your slaves can rest, my God. And I'm asking myself, what is going here? What qu'on est, what besoin qu'on est gagner tout au moins 3 grandes révolutions dans l'histoire humaine qui changeait la vie humaine. On parle de la révolution agricole, on parle de la révolution industrielle et on parle également de la révolution informatique. Stay with me now. What's going on here? Nous vivons, nous-mêmes, nous qui vivons notre temps, nous vivons notre temps usine, machine et ordinateur. Il y a l'air noir, âge noir, l'âge de l'informatique. Donc si tu lis le texte avec les yeux d'un adolescent qui vit aux États-Unis, au Canada ou bien en Europe, ou pas toi comprendre le message du texte. Mais si tu remontes l'histoire et tu suis le parcours de l'homme sédentaire qui commence à développer des techniques agricoles, ou à découvrir que y a été utilisé bœuf pour labourer la terre
et ont été utilisés bourriques pour porter les produits de la terre. Aïe, aïe, aïe. Moun qui vivent en dehors, comme ça m'a parlé, yon kon wè grand moun nan des fois, l'el pas utilisé houle, li prend bœuf là, et puis tout le mette devant, c'est l'il fait rabouer terre. Et bête yon utilisé pour porter banane, pour porter malanga, pour porter yam, yon utilisé bourrique. And God says, even. Même bœuf ou utilisé pour travailler la terre, même bourrique ou utilisé pour transporter bagaille, yon même tout, yon besoin de repos. Donc, commandement repos, il n'est pas appliqué seulement à l'humain, mais appliqué même aux animaux. And I say, God, why do they need to rest? And God said, they need resting so that they can recharge. No one and nothing can give and give and give and give and give and never recharge. The technicians came here one day and he said, we need to turn off the lights when we do not have service. And I said, why do we need to turn off the lights when we do not have service? He says, the lights have a lifespan. The more you keep it on, the quicker it dies. And for it to live and gives you more, it has to rest. So si lumière besoin repos, lumière qui ont bagaille mécanique, lumière qui ont objet inanimé, lumière qui pas gagne vie là-dedans, lumière qui pas de sens, lumière qui pas de sang, si lumière besoin repos, à combien plus forte raison humain a besoin repos pour le capable recharger. Les petits moun nan éclaireur, yo te fait me répéter la loi des éclaireurs. Observez la vigile matinale. Yo dit loi 1 2 Observez la vigile matinale. Accomplis fidèlement mon devoir. Ah, bon l'autre, oui. Prendre soin de mon corps. Ne pas se reposer, c'est de l'intempérance et une mauvaise gestion du corps que Dieu nous a donné. Bon Dieu, fais-nous pour nous reposer. And the first thing that David says, il a parlé de soin que papa bon Dieu bail, il dit il me fait reposer. But watch this. Il pas seulement fait me reposer, non? Mais c'est côté le fait me reposer là. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Gagner tout au moins deux mots hébreux ont utilisé les à parler de herbes. Ils ont utilisé le mot chatsir et ils ont utilisé le mot deshe. Now, understand que chatsir, c'est vieux herbe grand monde, vieux herbe dû. Vieux herbe qui mandait pour couper le Rachel jeté. But the chair, c'est ça, les herbes qui fait abdonner. Tis herbes créoles. Tis herbes frais. Tis herbes, regardez, qui doux leur couche sous lit. C'est un coussin carbone ou couché. David dit, côté mon Dieu fait me reposer, hein? C'est pas chatsir.
mais c'est de chair. Quand elle aime dormir, m'a pas gagné cap piquer m'a. M'a pas gagné pinesse cap nuit m'a. M'a pas gagné zombie cap relé dans tête moi. M'a pas gagné diable cap ennuyé m'a. Il me fait reposer. But now, if you read the text too quickly, you will miss something. Ou a besoin de comprendre que quand elle fait me reposer à, c'est quand elle bombe pour manger à également. Manger à la tout. Parce que 10 zèb ça, c'est pour zèb seulement ou dormir sous lit, mais son zèb ou manger la dana. So, in the recharge process, not only you get to rest, you also get to eat. Et m'tende bon Dieu qui a parlé avec le peuple dans l'année 2021, l'a dit. Fais attention, je mange. I want you to rest and I want you to eat. I want you to eat well. Ma besoin suspend, serrer l'argent pour faire enterrement. Et puis pour utiliser l'argent pour manger, pour prendre soin de corps. Ma besoin pour suspend, faire petit couloute. Pour prendre temps to eat the best of food. M'a besoin pour suspendre faire cripia. To buy some good food with the money that I have given you and enjoy life. I do not only want you to rest, but I want you to eat. Il fait reposer. Et là, il mange. Mais il dit, in the recharge process, il conduit vers des eaux paisibles. Now, you must understand that for the sheep to drink and drink good, the water has to be calm. Because if the water is moving and tumultuous, they running, they cannot drink. And the Bible says, il me conduit près des eaux paisibles. L'eau qui pose, l'eau qui pas bon diarrhée, l'eau qui pas bon vomissement, l'eau qui pas bon qui a sauté, l'eau qui pas brassé pile moins, l'eau qui pas nuit moins, l'eau qui pas dérangé pita. Il me conduit près des eaux paisibles. Et qui t'aime dire où? Yon nan indicateur que de l'eau qui devant là. C'est bon Dieu qui baille. C'est que la pente de l'opposé. Let me say it again. One of the indicators that the water that is set before you comes from God, c'est que la pente de l'eau qui a pesé. Il me tendait serviteur a dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Maybe, if the water is so troubled, perhaps it's not the Lord leading you to it. Si de l'eau agité, je l'agité comme ça. Peut-être, c'est pas l'Éternel qui mène là-dedans. Si de l'eau gagne requin là-dedans, peut-être c'est pas bon Dieu, mais non là-dedans. Si de l'eau gagne crabe, peut-être c'est pas bon Dieu, mais non là-dedans. Si de l'eau gagne caïman là-dedans, peut-être c'est pas bon Dieu, mais non là-dedans. Si aïe aïe aïe, de l'eau a qui coule là-dedans, peut-être c'est pas bon Dieu, mais non là-dedans. For the Bible says, il me conduit près des eaux paisibles.
Say, God, why do you have to do that? To cause them to rest, to give them eat, to eat and to cause them to drink. Bon Dieu dit, pas seulement fait ça, to recharge them. But I do that also to renew them. Stay with me now, to renew them. Now, we are into deep anatomy and physiology. Moun ki étudie anatomy and physiology, stay with me now because you can sense what I'm saying and moun ki pa to étudie bagay sa ou même tout grand bagay ou ka apprendre. Dans le corps humain, gagne something that they call the pineal gland. En français, ou le gland pineal qui ça le fait li relâche yon hormone que rele mélatonine qui contrôle dormi ou. Now, niveau mélatonine dans le corps, li augmenté, et c'est ça qui fait des fois où est moun nan gen dormi, li augmenté la nuit, c'est ça qui fait des fois où est moun nan gen dormi. Stay with me now. Maintenant, why is it like that? C'est parce que lorsque ou ap dormi, li active yon gland yorele de pituary gland, ou en français gland pituaire, qui relâche yon l'autre hormone. Et qui relâche yon sa ou le de growth hormone qui permet que koa li repare tête li pendant l'abdomen. So God says, moui faut reposer, c'est parce que nan voyage là, ou te gen doua pren kek dommage, nan voyage là, koa te gen doua accumuler toxique et déchets. And one of the reasons I cause you to rest is so that you can repair your body. And I say, God, do you have more? He said, yes. Because understand that, que gland pituitaire là, li pas seulement relâche hormone qui permet que corps a réparé, mais le relâche hormone qui fait corps également grandir. Reverend Dr. Howard John Wesley was preaching not too long ago on Sela. And he said, he took his son to the doctor. Et petit garçon, il a commencé à grandir. He's 6 feet something, 6 feet four, just about, and he's only 16 years old. And because he's so large, li mené le joint Dr. Palla. Et l'arrivé qu'à Dr. Palla fait toute analyse, toute bagaille, ok. Et puis tout dit docteur, bon bagage, je ne comprends pas notre bras là. Docteur a dit comme ça, qui soit pas comprendre, fait tout check, tout bagage, ok. Et puis tout, il dit, moi remarqué que ça, monsieur fait, c'est manger et dormir. Manger et dormir. Il dit, pour qui raison dormir comme ça? Il dit, ah, that's not a problem. Raison que fait dormir comme ça, c'est parce que pour le grandir, faut le dormir. Et puis pour grandir, il faut le reposer. Et puis tout m'tendez mon Dieu qui dit, ma, un côté m'a privé avec moi. Qu'on dimension spirituelle pour arriver là-dedans. Qu'on dimension spirituelle pour monter là-dedans. Ou pas besoin d'écher à tout temps. Ou pas besoin d'embaliner à tout temps. Ou pas besoin ouais côté pour mon apport tout temps. M'a besoin every now and again pour entrer dans phase hibernation, hibernating. Because there I will repair you. There I will grow you. There I will fix you. Et puis tout m'tendez mon Dieu dit, Johnson apprenne peuple moi hein, pour yon reposer. Parce que yon bagay m'a fait dans la vie yo. M'pa fait pendant yon travail. M'pa fait pendant yon mouvement. M'pa fait pendant yon activité. Yon bagay m'a fait pendant yon reposer. Pendant yon retiré yo. Yo aller à l'écart pour être seul avec Dieu, pour être seul dans la prière, pour être seul dans la réflexion, pour être seul dans la méditation, pour être seul devant Dieu. Et là, m'a déchargé en dans yo grâce, m'a déchargé en dans yo onction, m'a téléchargé en dans yo l'amour, m'a téléchargé en dans yo compréhension. I did not understand it, mais qui t'aime tout en vérité, yon nan pi gros
bénédiction que mon Dieu t'est abandonné dans ton malade là. C'est bénédiction, the blessing of confinement. I call it the blessing of confinement. Parce que comprendre, puisque tu es malade, madame n'a pas dit me faire si faire ça. Puisque tu es malade, nous pas dit chérie des, chérie date, et puis tout le monde pas venir côté moi. Parce que tout le monde à distance, tout le monde peut prendre maladie dans même, et puis tout pendant mon temps dans la chambre pour comme, m'attendre la parole, m'a étudié la Bible, m'a chanté, m'a prié, m'a humilié devant mon Dieu, et puis tout mon Dieu dit comme ça. Johnson, nous développons un repos ça. Nous disons, mon Dieu, why? Pour qui raison? Nous développons un repos ça. Et puis tout le team, depuis qu'on a commencé à travailler, nous finissons de sortir dans deux mois, nous tomber dans la croisade, sortir dans la croisade, tomber dans 21 jours prisonnier la guerre, sortir dans 21 jours prisonnier la guerre, tomber dans 40 jours. Et puis tout est préparé pour rentrer dans 21 jours, me réaliser, même Jean Akbouébia, qui pas de connaît, qui leur pour dire stop, ou pas connaît, et puisqu'on pas connaît, et puisque me besoin, et me dire où pour me faire avant toujours, faut-il coucher pour reposer, faut-il coucher pour prendre force, faut-il coucher pour fortifier, et puis nous l'éternel mettez-moi dehors, c'est qu'à me garder, moi me prends 10 livres, c'est qu'à me garder, moi fille qui me claire, c'est qu'à me garder, moi faute de moi belle, et puis tout me dit en moi, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu. Car mon Dieu ordinaire, l'aime pas qu'on ait besoin de repos, lui prend mon repos, l'aime pas qu'on ait pour me stop, lui fait me stop, l'aime pas qu'on ait pour me camper, lui fait me camper, il me fait reposer. You need to rest. You need to rest to recharge. You need to rest to regain your strength. You need to rest to renew. Oh, I made a mistake, church. I'm talking to you now. I made a mistake. I thought that by killing myself, I was doing God's work and God's bidding. And God would have me understand, I don't need you to kill yourself for my church because I already did it. M'a besoin tout et tout pour l'église là parce que me fait déjà. And now, ba mon zoom parce que me veut peuple bon Dieu attendez. Church, listen. I love you. And I'll always give my best to the work of God. I cannot do anything less but to give my best. But let me share this with you. I cannot do it by myself. I will kill myself. Bon Dieu mettait dans l'église li des hommes et des femmes à qui li bail des responsabilités. The church has a first elder. The church as lead elders, the church as departmental leaders, the church as members. Bill, help me. And I want you to accept them helping me. Ay, ay, ay. They will help me, and I want you to accept them helping me. M'pas besoin les son anciens ou bien son monde qui montait qui prêcher pour descendre live là pour dire where is Pastor Johnson? I know that you love me, I'm here. Jusqu'à ce que bon Dieu décide qui l'autre route la fait avec. But what I want from you, if you truly love your pastor, what I want from you, I want you to accept the leadership that God has placed in this church. They'll do their work. They'll do their part. And they will do their job.
I will do my work. I will do my part. And I will do my job to the best of my abilities. But I want you to accept them. Besides, dans l'église adventiste, l'église n'a pas pour pasteur. Pasteur a fini. Pasteur a bralé. Et l'église l'a apprêté. Il y a l'église qui apprend à développer maturité. Ils apprennent à accepter ça, bon Dieu a fait ou bien ça, bon Dieu permet de faire. And I want you to help me. M'a besoin nous présent dans réunion mercredi soir que c'est moi qui a prêché que c'est pas moi qui a prêché. M'a besoin nous aider et m'a parlé à même l'église locale dans un premier temps. Même l'église locale. Les yo relé nous un ancien relé nous ou bien frère Phipps relé nous pour nous participer à notre programme école du sabbat. Si nous pas malade, I want you to answer yes to the best of your ability. I want every hands on deck. Nous n'en corona, nous pas connu qui l'a l'église approuvé. Et selon toute apparence, il pas semblé qu'on a arrangé quoi pour aller anytime soon. Pas capable de continuer. Work non-stop all year round. With the stress, the criticisms, and everything in between, and not have people helping me out, I will crumble. And I want you as a community of faith, and I'm calling the leaders of this church, each and every one of them, to play their part, so that together, nous capables faire travail bon Dieu à avancer. Il me fait reposer. Il fait me reposer pour le cas recharger. He makes me rest so that he can renew me. And lastly, he makes me rest so that I can be relaunched. Vous avez besoin qu'on ait. Il y a des gens qui disent, monsieur, pasteur, il pasteur tout le monde. Mais qui est-ce qui pasteur? Pasteur a l'allégué enterrement. Il l'allégué la mort. Il l'a pour toute bagaille. As a matter of fact, notre culture pas nous, which is strange to me. Tout le monde te met visiter Kaila. Premier ancien, pasteur, bid, assistant pasteur. Tout le monde te met visiter Kaila. Tout autant, pasteur Johnson, papa, l'église n'a pas visité. Church, come on. Si c'est ancien qui visite, c'est qu'on pastoral l'a visité. Si pasteur qui visite, c'est qu'on pastoral l'a visité. I cannot be everywhere and doing everything at the same time. I am no God. And my first church is my house. L'aime fin sauver tout le monde. Bon Dieu a demandé, did you save Sammy? Did you save Nathan? Did you save Gigi? Et récemment, Sam commence à faire la caille là. Récemment. Généralement, tu es qu'on fait prière avec Simon le matin. Et puis prier avec vous à soi, ou bien si je parle à soi, madame Nofel. But I took it a notch higher. Ça me fait, je me finis passer temps de prière personnellement. Je me finis prier avec vous. Il y a le bain, brosser dans vous, et puis tout pour aller à l'école. Premier coup, vous prenez, c'est dans même vous prenez. Instruction biblique. Je chita sous table l'école là avec vous. Sami chita. À gauche, moi, Nathan Chita à droite, moi. Bible nommé. Et puis, tu me dis, mais le son pour aujourd'hui. Je me dis, il y a quatre l'évangile. How many gospels did I say? They say four. Je me dis, what are they? Et ils répondent,
Matthew, Mark, Luke and John. Et puis tu me prends plusieurs photos. Photos de Simon dans différents âges. Je me dis qui moun ça? Lui dit ça c'est Sami. Je me dis qui moun ça? Lui dit ça c'est Nathan. Je me dis qui moun ça? Lui dit ça c'est Sami. Je me dis qui moun ça? Lui dit ça c'est Nathan. Je me dis en ça c'est Nathan, il dit oui tout de c'est Nathan. Et puis tu me dis comme ça, c'est comme ça quatre évangiliaux. Quatre évangiliaux, c'est quatre portraits yo bay de la personne de Jésus-Christ. Le même personnage, mais quatre images différentes. And I teach them. It makes me rest so that I can be renewed. And in my time of sickness, listen to me now. In my time of sickness, I also learned something about life. Qu'est-ce que vous attendez? Vivre avec rancune, avec jalousie, avec haine, c'est pas pour l'autre monde ni pas bon. C'est pour vous-même ni pas bon. Non tant COVID-19, c'est pas tant moun gen moun nan kè encore. Non tant côté moun ka passé rapide, c'est pas autant conseil de vieux bagay ou qui t'es en dedans encore. Dans la mesure de vos possibilités, fix your differences with people. Le repos permet ou prend du recul pour capable mieux visualiser la réalité qui est devant toi. It makes me rest to recharge. It makes me rest to renew. And finally, it makes me rest for a relaunch so I can go again. I ask God. C'est comme ça me parler avec bon Dieu. Là m'a préparé mes sachets en essence, me poser la question, il parle avec moi. Said why? Rest God, why? He said Johnson, I want you to rest because we have a long journey ahead of us. And the Lord told me that the problem is not getting there. He'll take me there, but he wants to take me there safely. He wants to take me there in good health. Le Seigneur voulait, alléluia, l'arriver avec moi pour me donner santé, pour me jouir bénédiction, pour me donner santé, pour me jouir grâce là, pour me donner santé, pour me jouir faveur. Et comment me appliquer là avec peuple qui attendait non? Je me sentis mon Dieu dit pour me dire, ou même qui fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui pas jamais prend vacances. Schedule your vacation. Même si c'est une semaine, c'est 2 semaines. Schedule your vacation with long weekends in between. Gen nou ki la. Nous ne pouvons pas même consacrer à la faute manger, à la faute marcher dans la mer. Nous pas pour nous-mêmes qui mangeons poisson toujours. Nous ne pouvons jamais consacrer à manger poisson grillé au bord de la plage. You need to have vacation. I'll take vacation this year. Et vacances m'a pas prendre vacances parce que c'est malade. Mais m'a prendre vacances pour mener madame moi bon en mer. Pour mener petite moi bon en mer. Pour me jouer football avec eux. I'll take my vacation this year. Il me fait reposer. Repos nécessaire.
pour plusieurs raisons. But in the context of the relaunch, m'a baou la pour me finir. To be really productive, you cannot keep on going non-stop. Pour capable produire ou pas capable aller s'arrêter. Il raconte histoire en grand monde avec un jeune garçon. Tous deux gen hash yo nan men yo. Ça nous relie en créole rash. I'm finishing now. Tous deux gen rash yo nan men yo. Jeune garçon élevé et grand monde nan la, yo non contest, yo non challenge, yo non match pour déterminer qui est qui a couplé plus bois avant journée en fini. Ces garçons enlevés, je crois que un proverbe créole qui dit manchette, Simon, c'est le matin, ça file. Et jeune garçon en campé, avec manchette, li, rivé, son match, il commence à voir un coup de lâche. Voir un coup de lâche à couper bois. 8 heures, il voit un coup de lâche, 9 heures, et tout grand monde dans Chita. La file rachli. La file rachli. By 1 o'clock, grand moun nan levé et grand moun nan commencé voye coup de hache. Grand moun nan voye coup de hache, grand moun nan voye coup de hache. Grand moun nan voye coup de hache, grand moun nan voye coup de hache. Et petit garçon commence continuer voye coup de hache. But li réalisé un bagage. Li réalisé que efficacité que l'te gagne nan matin l'a perdu. Et un bois qui te prend 2 minutes pour le couper, now it takes him 45 minutes. Et grand monde continue à vous écouter. Grand monde vous écouter. Grand monde vous écouter. Après ça, grand monde pose, il boit de l'eau, il mange en bas à pain, il prend de l'eau sucrée, et puis il continue à filer à chli. Petit garçon qui voit grand monde, chita. Li content, li continue à voir un coup de hache. Li continue à voir un coup de hache. Li continue à voir un coup de hache. Mais de temps en temps, li rend compte que le résultat a vint de moins en moins. Et grand monde nan levé, grand monde nan bâton, grand monde nan hache. Et à la fin de la journée, grand monde nan coupé plus bois que de jeunes garçons. Grand monde nan gagné. Tout le monde relé en moi. Comment on vit un grand monde comme ça? Qui n'a pas de force autant que jeune garçon? Gagner un match là, couper plus bois. Alors que le jeune homme avait déployé toutes ses forces. Grand monde dit, raison qui fait me gagner, c'est que monsieur a voulu écouter sans arrêter. Mais moi-même, moi prends temps. Pour me filer à chemin. Et me tendez bon Dieu qui dit take time to sharpen your sword. Prends temps pour filer à chemin. Prends temps pour aller dans la retraite de prière. Prends temps pour faire 3 jours de jeûne et de prière. Prends temps pour faire 7 jours. Prends temps pour faire 10 jours. Prends temps pour faire 40 jours. Prends temps pour passer un moment de qualité avec bon Dieu de la dévotion. Sharpen your sword. Take the rest. Eat well. And drink. Il y a des gens qui disent, mais dans ce texte-là, c'est ça, frère Taylor, il est les 4 îles du Somme 23. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Sous ce texte-là, ou après que le 3e île, c'est la conséquence des 2 premiers. Il restaure mon âme. Vini parce que Gayon dirigeait près des eaux paisibles. Parce que Gon fait reposer.
En fait, le mot hébreu pour restaurer, je l'ai dit littéralement, il fait retourner mon âme à moi. He gives me back my strength. He gives me back my vitality. He gives it back to me. He gives me back my sanity. Et oh, t'aimes bien, repos physique est important, mais repos esprit est important toujours. Dans le moment où on rentre dans la prière, bon Dieu a bon repos d'esprit. Ou attend des voiles qui parlent avec vous. Ou attend des voix, bon Dieu, dans le temps, tempête là, qui a dit, mon enfant, je suis là. I'm here with you. I know the challenge that you face, but I'm here with you. I know the pain that you feel, but I'm here with you. Et finalement, on va chanter. When peace like a river attendeth my soul, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well. It is well with my soul. Et au cas où, il y a qui t'a demandé, mais pasteur, what was the title of your sermon? Oh, I thought you knew by now. I'm back. I'm back. Because the Lord made me rest. I'm back. Because he fed me in my room. I'm back because he placed me in confinement. I'm back because he gave me water to drink. I'm back because he spoke to me in my despair. I am back because he gave me assurance. He gave me confidence. He gave me a word. He gave me his promise. He gave me his peace. He gave me a future. I'm back. Vos textes qu'on y a dit, I'm back. I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. 2020 was rough, but I'm back. I was sick, but I'm back. I was tired and weary, but I'm back. I thought there was no hope in future for me, but I'm back. And I can say, it is well with my soul. Pendant que vous avez chanté ça, la confiance dans le bon Dieu. Et dit Seigneur, fais-le pour moi. Dans le nom de Jésus, et n'abtoune pour nous venir prier pour vous, à la gloire de Dieu. Nous espérons que nous sommes bénis par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côtoyer et gens qui plus facile pour vous. Nous dit bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former monde, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrer encore, nous la guérons dans deux plans papa bon Dieu et nous dit bon Dieu remets-nous, nous remets tout. Bye bye.